Salut tout le monde. Coucou. Donc on se retrouve dans un nouveau vlog. Nous voilà partis pour Paris, pour le Video City. Donc là on est dans la voiture pour aller de chez nous jusqu'à l'aéroport de Montpellier pour prendre l'avion pour aller à Paris. Et donc on va vous amener avec nous un petit peu tout le long de ce week-end. Donc là nous ce qu'on a prévu aujourd'hui c'est journée shopping. Oui. Donc genre dans la rue Rivoli, les choses comme ça. Et demain le Video City. Donc on vous amène avec nous. Re-coucou. Bon ben ça y est, on est dans l'aéroport, on a passé la zone du duty free. Voilà. On n'a rien acheté, non. On est trop fortes. Et bon, on attend notre avion. Voilà. Et en attendant l'avion, petit déj. Re-coucou. Bon alors, petit problème. on est bloqué à l'aéroport de Montpellier. Parce que en fait, en plus du brouillard. En plus du brouillard, il y a le radar de l'aéroport de Orly, là où on doit atterrir, qui ne fonctionne pas. Donc on n'est pas autorisé à atterrir là-bas. Donc on ne décolle pas d'ici. On ne sait pas pour combien de temps et voilà, on attend que le commandant nous en dise un peu plus. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est là, ouais. Dans l'avion, et qu'on voilà. Donc on ne sait même pas si on va arriver à Paris en fait, donc c'est un peu... voilà, on est un peu dégoûté. Mais bon, on vous en dit plus un peu plus tard. Après 1h30 d'attente, on décolle en fait. On décolle. Il est 10h30, on devrait déjà être à Paris. C'est ça. Mais du coup, on décolle. Donc, alléluia voilà. À l'aéroport de Montpellier, à l'aéroport de Paris, Orly. Orly. On est enfin arrivé avec ça. Donc il est midi là tout de suite. Voilà. Et là on va récupérer un bus qui va nous amener au tram en fait. Voilà, on prend un bus qui nous amène au tram. Au tram, on peut aller jusqu'à la porte de Versailles parce que c'est là où on a loué un Airbnb. Et on y va directement. Attendez, il y a un truc sur le. Voilà. Il rentre pas bien, voilà. C'est là, voilà. Et on arrive pas très très beau à Paris. Ouais, on va vous montrer ça. Donc voilà le temps, les gens. On avait un beau soleil hein, à Montpellier, ouais. Avant de partir. Donc ça c'est le temps, genre le sol il est tout très froid. Mais il fait pas froid, hein. Franchement il fait vraiment il fait 15 froid. Degrés, donc hop là. Donc on s'en sort plutôt bien en vrai. Il fait pas froid. Re-salut, ben nous voilà dans le Airbnb qu'on loue pour juste cette nuit là. Donc on n'a pas vlogué de l'après-midi finalement. Donc en fait on a pris le bus, on est allé jusqu'à un tram. Et on a pris le tram jusqu'à Porte de Versailles. Donc là, on est dans un Airbnb qui est juste à côté de Porte de Versailles. On est juste devant l'entrée du Video City, en fait, à vraiment même pas 100 mètres qu'on y est. Donc c'est juste trop bien. Donc je vais vous faire un petit tour de l'appart qu'on a. Alors, quand on rentre, c'est comme ça. Donc, je vais essayer de ne pas filmer comme une nawak quand même. Parce que on ferme la porte. Et donc, quand on rentre, on a là de suite un grand placard. Là sur le côté il y a la salle de bain. On est un peu cliché parce que c'est un 16 mètres carrés au fait. Hein. Donc en fait si on s'aime pas là on est un peu obligé parce qu'on est un peu près. Là il y a une table avec des chaises et tout notre bazar déjà. Étagère, nanana. Là il y a miroir. Une fenêtre qui donne sur une cour intérieure de l'immeuble. Encore des étagères qui servent pas à grand chose mais qui sont là. Le clic-clac qui se transforme en lit, donc en fait là le petit bout de salon c'est aussi la chambre et c'est aussi la cuisine, magnifique. Toi t'es par terre, tu fais ta vie mais voilà. Et voilà la petite cuisine, petit frigo machin. Et là bah, on est sur le placard d'entrée, la porte d'entrée. Et la salle de bain de ma boule, quand même c'est important. Voilà, donc là il y a une toilette, ma trousse dessus avec les produits. Le lavabo, la petite douche, et voilà! Si c'est pas trop beau! Et franchement, chouchou, je leur montre quand même! on était genre tellement contentes! En fait, on était trop contentes! Je veux dire pourquoi? Parce que le papier toilette, il est rose comme ça! Mais il est trop beau en fait! C'est vraiment trop beau! Enfin, c'est du rose, c'est du fuchsia de ouf! Il y en a plein encore là-haut! Je sais pas si je vais pas partir avec un, tu vois, pour l'avoir chez moi! Et voilà, donc du coup on est là et on est plutôt bien. Alors en magasin on a fait Pinky, Forever 21, on a fait... Bershka. C'était Bershka. Ouais. Mac, en vrai, mais après, on a rien acheté voilà, chez Mac. Ouais, après on est rentré dans H&M, mais on n'a pas acheté non plus. H&M,
Et puis après, c'était trop tard, mais on a vu Etam et tout. Moi, j'aurais Il y avait trop Etam, Stradivarius, il y avait des trucs trop bien, mais du coup, c'était un peu trop tard. En fait, il fait vraiment trop chaud là. Ouais, il fait chaud. On est à Paris, sinon, il fait trop chaud, mais j'ai ouvert. Non, mais le rideau aussi, c'est pour qu'il y ait l'air qui rentre. Là, ah, voilà. C'est en fait là. Il fait genre trop nuit. Je sais pas quelle heure il est, mais il fait. Bah, vraiment... il est 8h passées, je crois. Donc voilà, du coup, notre journée est finie. Donc, bon, elle a été un petit peu raccourcie par le fait qu'on est arrivé en retard par l'avion. Mais au final, fin, à 13h45, nous, on était là. Oui, en fait, on a commencé notre shopping à 2h de l'après-midi, quoi. Voilà, au final, ça fait quand même toute une journée. Puis les magasins fermaient minimum à 8h. Non, mais tu vois, avec 2h de plus, on serait allé jusqu'au bout de l'avenue, quoi. C'est vrai. Et on aurait vu tout. Mais en même temps, on avait putain de mal aux pieds, on avait chaud. On avait mal aux mains, on avait des sacs lourds et tout. C'est ça. On avait quand même pas mal envie de rentrer. Et on a pas mal acheté aussi. Mais franchement, moi, j'aurais acheté encore, j'en suis sûre. Ah oui, oui. Il y avait promo et tout. Moi, c'est bien pour mon porte-monnaie, tu vois, que je me sois arrêtée. Parce que moi, j'ai pas craqué trop mon budget, toi, un peu plus. Mais toi, t'avais vraiment besoin d'acheter des trucs. Moi, j'avais pas besoin. Ouais, voilà, moi, j'avais vraiment besoin. Ce que j'ai pris, ça allait. Mais bon, bref, de toute façon, on fera un haul, je pense. Oui, carrément, on fera un haul Paris. Et du coup, voilà, donc c'était une bonne petite journée shopping. Là ce soir, bah, on va pas faire grand chose en fait. On a acheté des conneries à manger parce qu'on avait pas envie de se faire manger, de devoir salir la vaisselle et tout ça. Les feignasses donc, quoi. Voilà, on a acheté des trucs vite fait. Et puis on va peut-être vous tourner un petit tag en fait. On est en train de se préparer ça. On pense qu'on va tourner un petit tag tant qu'on est là. La luminosité va être pas très bien. On a pas de trépied. Oh, c'est vraiment pas de On va le poser genre sur l'étagère ou sur la table. Bah, la boîte franquette. Bon, en même temps, c'est un tag, on s'en fout. Et puis voilà, après on va peut-être se mettre l'Energy Music Award pour s'endormir là, et puis voilà, tranquille, voilà, on va aller prendre la douche et voilà. Bah demain ça commence à 10h du matin, voilà. Donc on a un peu de temps le matin avant d'y aller, ça puis on est juste à côté, donc ça. On est vraiment à côté, donc bon, on va y aller un peu en avance pour essayer de pas trop faire la queue, mais on est vraiment à côté, donc on n'a pas à s'embêter pour ça. Et du coup toute la journée on y est, donc si vous y êtes on y sera aussi, mais quand vous verrez ce vlog, ce sera pas déjà fini. Donc on espère vous avoir vu à ce moment-là en fait, ça aurait été super cool. Et puis on vous filmera de toute façon demain. Aux vidéos City Paris. Voilà, c'est ça. Bisous, à demain. Bon, en fait, on n'était pas censé revloguer parce que tout à l'heure, on vous a dit au revoir, on vous a dit à demain. C'est ça. Et en fait, on voulait juste vous dire... bon, déjà, il est quelle heure? Il est minuit 40. Donc, oh, on va se coucher va, maintenant. Je pire, non, ça va, mais bon, demain, on va peut-être être un peu fracas, mais bon, c'est pas grave, pour la bonne cause. Ça. Et en fait, on vous a filmé 3 vidéos ce soir. Ouais. On vous avait dit qu'on vous filmerait un vlog, un tag, je crois. Et en fait, on vous a filmé le haul de tout ce qu'on a acheté aujourd'hui. Ouais, parce que vu que demain on va rien acheter de plus, autant le faire maintenant. Voilà. On était ensemble, c'était rigolo. C'est ça. Et on vous a filmé fait 2 tags. 2 tags, ouais. Donc c'est le qu'on avait prévu tag. Pour notre... on va vous le dire. Ou la menteuse. Le tag ou la menteuse. Et le tag préfères-tu plutôt ça ou ça. Enfin bref, vous verrez. Donc voilà, donc on est contente du coup parce qu'on a été hyper productive. Parce qu'avec ce vlog. Ouais. Ça fera 4 vidéos qu'on a filmées dans le même week-end. Donc... Mais en fait, on était vraiment fatigués, mais genre, je crois qu'on avait trop envie de faire des vidéos aujourd'hui, tu c'est vois. Vrai. Donc, puis bon, voilà, pour une fois qu'on avait tout le week-end ensemble, c'était trop ouais, l'occasion. Puis un week-end YouTube, on a Paris, enfin, ouais. C'est ça. C'était le truc. Du coup, voilà. Donc là, on vous dit vraiment à demain, parce qu'on va vraiment se coucher. On est dans le lit concrètement. Hein, donc, ouais, on est sous la couette là. On va vraiment se coucher parce que faut être en forme pour demain en vrai. C'est ça. Heureusement, on est juste à côté, donc on ne doit pas se lever beaucoup. Trop tôt. Et puis c'est ouvert à 10h, c'est pas trop tôt donc ça va. Mais voilà, fin... donc on vous dit à demain. Salut, alors on se retrouve le dimanche du coup, on est dimanche, il est 9h55. En vrai on voulait y être à 9h au Video City et en fait on s'est levé, on a papoté, on se prépare. Moi je suis enfin prête et Cory est pas tout à fait prête. Elle est en train de se maquiller et du coup on va partir au Video City. C'est un micro qu'on entend, je crois. En fait, on est tellement près qu'on entend le bruit du Video City, c'est trop bien. Non ? C'est des gens dans la cour ou c'est un micro ? Ah non, là, c'est des gens là. En fait, on dirait trop. T'as vu, on dirait pas un micro ? Si. Oui, du coup, on va aller... on va pas tarder à partir. Dès Cory est prête, on va partir. Moi, je pense que je vais pas prendre de veste. Je pense que je vais vraiment aller en manche courte. Parce que je pense que dedans... Il fait frais, là, tu vois. Ouais, il fait frais. Mais franchement, je pense que... Dis-toi qu'on va être à l'intérieur tout le temps. Ouais. Il va y avoir tellement de monde qu'on va transpirer comme des porcs, là. Ouais, moi, franchement, je pense qu'on va y aller comme ça. Ouais. En plus t'as des manches longues toi donc ouais. Et du coup voilà donc on espère que ça va bien se passer. On a vu des photos, des vidéos un petit peu d'hier parce que bon, c'est quand même la première fois donc on sait pas voilà. Et en fait il y avait juste des milliers de personnes, c'était énorme. En fait c'était limite pire qu'un concert quoi. Non, le seul truc qu'on espère c'est vraiment de ne pas être genre bousculé par les groupies là tu vois qui. Franchement je suis désolée mais voilà quoi. Donc voilà on espère au moins accéder à une des youtubeuses, enfin au moins pour
Vu qu'on n'a pas de dédicace. Ouais. Pour se dire qu'on en aura vu une au moins, on quoi. Pas de dédicace prévue. Et voilà, mais bon, dans l'ensemble, ce qu'on veut, c'est vraiment passer une bonne journée pour voir l'ambiance un petit peu du Video City. Et puis pourquoi pas rencontrer des gens, des abonnés, d'autres youtubeuses comme nous qui sont pas forcément connues, mais voilà quoi. Ouais. Donc voilà, on verra bien. Et puis ben, on vous amène avec nous toute la journée, donc à tout à l'heure. Oh, coucou, bon ben ça y est, on est dans la file, on attend de rentrer, donc autant vous montrer le monde qu'il y a là-bas. En fait je vois pas ce que je montre. Deux secondes, on voit mes doigts mais c'est pas grave. Voilà, en gros il y a un peu de monde quoi. Un peu beaucoup ouais. Un peu beaucoup. Et en fait on est arrivé un peu à la bourse, ça ouvre à 10h et on y était à 10h30. 10h40 même. Il est 10h50. Donc on est un peu à la bourse mais bon c'est comme ça. C'est comme ça non. De toute façon n'importe à quelle heure on arrive. On aurait été dans la file d'attente en fait, donc voilà. Donc d'ici peu, je sais pas combien de temps il nous reste, mais au moins une vingtaine de minutes, ben, on va y rentrer. Donc on vous dit à tout à l'heure, on vous montrera comment c'est dedans. Mon ami c'est blindé. Ciao. Moi je m'amuse bien, c'est un peu petit. Il y a aussi également, moi j'étais invité, mais j'ai pas le temps d'y aller. Ah là, il n'y a pas le temps d'y aller. Voilà. Alors, question suivante. Sûrement entendre, mon ami. Non, mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas que moi. Hein. Ben
Mais je suis trop contente. J'imagine que... Enfin, j'espère que vous savez la chance que vous avez d'avoir Sandria aujourd'hui et Elsa, parce que bah, Sandria est pas très près de la France, elle joue. Et Elsa, elle se montre pas beaucoup, la petite, et ça me fait trop plaisir d'être avec vous toutes les deux, parce qu'on sait que je vous adore, et je suis trop contente de vous faire partager ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous faire plaisir qu'on fasse des petites photos avec vous, et j'espère que vous passez une bonne journée. Moi, je suis trop contente d'être là aussi avec vous. Donc, ça va être trop cool. On adore ton bonnet, franchement. Donc nous sommes dans la queue juste avant d'aller faire des photos. Voilà. Pour faire une photo avec les amis. Voilà, c'est ça. Avec on va aller voir tous les trois en même temps et faire une photo tout en même temps. Donc c'est pas trop de la chance en fait. On va pas pouvoir vlogger quand on sera devant. Non, on fera la photo. On fera la photo, on vous la mettra juste live, voilà. C'est cool du coup. Donc voilà les photos, on a pu discuter très rapidement avec Marie, Elsa et Sandria, c'était vraiment génial. On aurait vraiment aimé rester plus longtemps, mais bon, il en faut un peu pour tout le monde. Mais en tout cas, on en garde un très très bon souvenir et on est très très heureuse de cette rencontre. Sympa. C'est ça qu'on a fait à l'aller quand c'était rempli. Et là c'est vide, donc on s'en va. On s'en va! Re-coucou! Voilà, donc on se retrouve, on est à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour le départ pour Montpellier en fait, ouais. On rentre chez nous. Ça y est, c'est fini. Voilà, c'est fini. On est un peu KO en fait, ça se. On est vraiment fracas concrètement. on est même en avance à l'aéroport, mais en fait on n'en pouvait plus de Mais on marcher. Est tellement en avance que. Il est 7h30, on a l'avion à 9h20. C'est l'heure où on avait prévu de partir de voilà. Port de Versailles en fait, voilà, donc on est ça. Vraiment en avance. Donc on a moins de. Quasiment 2 heures en fait à attendre. Et en fait on n'a pas vlogué depuis avant l'entrée dans le showroom. Ouais, et puis même à Vidéo City, en fait on pensait vlogger plus que ça, mais c'était c'est tellement l'anarchie. Enfin, en vrai, il y avait du monde de partout. Vous avez vu on allait passages, à droite, à gauche. Ouais, où on voit la foule et le bruit, je pense qu'à des moments je parle, et je crois que vous entendez même pas ce que je dis, tellement il y a. Voilà. C'est impressionnant. Donc on va essayer de faire un montage en fonction qu'on voit quand même le principal, mais c'est vrai que c'est. Ouais. C'est un peu compliqué quoi. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde, voilà. Beaucoup de bruit, des gens qui hurlent. Donc je crois que la dernière fois qu'on a vlogué, on était dans la queue en fait où on allait certainement voir Marie. Voilà. Donc ce qui s'est passé c'est que on a rencontré déjà des filles qui, si elles passent par là, on leur fait un bisou. Bah oui. du coup Maëva, Emma et Alice. Qu'on a rencontré dans la file d'attente ouais, en fait dans la file d'attente, pour Oscar en fait. Pet. Exactement. Parce qu'on attendait aussi que ce soit Elsa qui passe et ensuite Marie. Voilà. Et au final on s'est rendu compte par Twitter que c'était pas du tout là. Il y a eu un changement de queue, donc du coup on est allé à notre endroit, on est allé dans la conférence. Et on est resté toutes les 5 ensemble et c'était super cool. On est resté tout le temps ensemble, ouais. Puis on s'est retrouvé quasiment devant à la queue, donc on nous a fait rentrer dans la salle, installer. On pensait qu'on allait voir Marie. Puis en fait on nous a une des pas présentatrice mais une des leaders en gros des animatrices de Rose Carpet nous a dit qu'en fait en plus d'avoir Marie on aurait Sandria, donc on était encore plus à fond parce qu'on avait pu la prendre en photo vite fait avant mais pas vraiment la voir lui parler quoi. Mais de toute façon je suis en train de penser que j'ai quand même filmé des passages quand elle parle sur scène, donc on vous l'aura montré avant. Oui voilà, et en fait au moment où on les voit les deux rentrer, on voit en plus de ça Elsa, donc en fait là on était juste à fond, on s'est dit mais les trois en même temps qu'on aime trop en plus, enfin, bah, vraiment on les adore et on les suit depuis longtemps, donc on était tellement trop contentes. Et puis là la fille commence à nous dire par contre vous pourrez pas tous prendre des photos avec elle, on va juste en choisir quelques-uns. On s'est dit mais c'est mort, enfin, on n'a pas fait tout ça pour rien, on a été quand même 2 heures de queue avant ça. Bah c'est vrai, donc voilà. Et en fait on a réussi à se faire choisir à monter ensemble en plus. Ouais, pour faire la photo toutes les deux la en scène. Même temps que. Enfin... On a pu parler en fait à Marie, lui dire ce qu'on pensait d'elle. Bon après on a dit voilà. On a pu parler un peu avec Sandria, un peu moins avec Elsa, parce que vrai, on n'avait pas trop le temps, donc ben voilà. On avait peur de se faire déguerpir en fait. Ah ouais, carrément. Donc on a essayé de parler à chacune. Heureusement, on était deux, donc on s'est un peu partagé les tâches ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Mais on a fait une photo avec elle, du coup, qu'on vous mettra certainement. Et puis voilà, franchement. Qui est pas terrible la photo. Hein. Ouais, bon, il n'y a pas une bonne lumière. Je vais essayer de retoucher les couleurs, mais franchement, on est toutes jeunes. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'était de leur parler réellement.
Et en fait, on est super contentes parce qu'au final, on s'était dit, si on arrive à partir avec une photo avec une youtubeuse, c'est déjà bien, mais on espérait même pas autant. Et là, trois d'un coup, et on a pu leur parler. Voilà. Après, je sais pas si on l'avait déjà dit, mais je crois qu'on l'a dit, on avait vu Girly Alex aussi, du coup. Oui. Qui était dans une file en fait un peu en tant qu'abonné finalement. C'est ça, on a fait une photo avec elle aussi qu'on a mis sur Insta. Enfin, voilà. Plus c'est rigolo parce qu'après on l'a recroisée dans les toilettes. On l'a recroisée dans les toilettes. Trop drôle, et donc a en fait parlé, au final on part de cette foire conférence. En fait, enfin, conférence. on a vu 4 youtubeuses beauté qu'on aime bien avec qui on a pu prendre des photos et parler. Et parler, ouais. Et c'est en plus ouf. De ça, on a rencontré des filles qui sont du coup entre guillemets des abonnés maintenant. Enfin, du coup, elles se sont abonnées, mais du voilà. coup, des copines en fait. Voilà, YouTube, et en fait, c'était vraiment trop génial parce que plein de et rencontres. Puis, et de tout âge aussi, parce qu'il faut dire ce qui est. Les petites, elles avaient 13 ans quoi. On dit avec les petites nous, parce que forcément, c'est petit on a pour nous, 11 ans de plus quoi. C'est ça, 11 ans et demi, presque 12 ans. Mon dieu. Donc voilà, c'est rigolo, plein ça de rassemble rencontres, tous les âges, c'est ça qui s'appelle. Ouais. Donc du coup, c'était super sympa. Ouais. Super sympa. Donc on est contente. Week-end très enrichissant, en tout cas. Très donc, mouvementé et fatigant, parce que là, tout de suite. On est épuisé, en vrai. On est morte. On est complètement morte. Mais bon, c'est que du positif, quoi. C'était vraiment génial. C'est donc clair, après Video City, ça manquait d'organisation dans le sens où je pense que c'était la première année, du coup, j'ai pas. C'était pas, en fait, si on n'avait pas Twitter concrètement on savait, et que les filles l'annonçaient pas, les youtubeuses l'annonçaient pas, on oui. savait pas où elles allaient se trouver. Non, aucune information, même on voyait le stand Rose Carpet, mais on savait pas qui allait passer ni dans quel ordre. Donc en fait, on se mettait à des endroits en pensant que ça allait être là, mais on n'était vraiment pas sûr. Et puis, obligé d'en louper parce que vu qu'elles passent à des endroits différents, on peut pas toutes les voir. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit, c'est que si on voit Elsa, on voit pas Marie, si on voit Marie, on voit pas Elsa. En fait, c'était. Voilà. C'était un peu ça, donc finalement de les voir toutes les trois en même temps, c'était vraiment. On a vraiment eu de la chance. En fait, c'est ça, c'est vraiment de la chance. Donc si vous y étiez, n'hésitez pas à nous dire en barre de commentaires, du coup, ce qui vous avez pu voir, ce que vous en avez pensé et tout ça. Ouais, on a pu. Nous, je pense qu'on y sera l'année prochaine, parce que franchement, c'était tellement cool que. Voilà. Ouais, je pense que l'année prochaine, on y retournera. Voilà. Et puis voilà. Finalement, on n'a pas rencontré d'abonnés en fait. Non. Bon, de notre côté, si vous y avez été, c'était pas pour nous, c'est sûr. Et puis on se croisait pas forcément, ni on faisait pas attention aux gens dans la foule, parce qu'on sait très bien que les youtubeuses, ben bon, il y a 4 vigiles à côté, donc on les remarque quand elles passent. Mais par contre, toi tu t'es fait accoster, c'était rigolo, ça, je pense, tu peux le raconter. Non, en fait, il y a une petite qui m'a accosté, mais franchement, elle devait avoir 11 ans, quoi. Oui, elle était minuscule. Oui, elle était toute petite, trop mignonne. Et en fait, elle m'a vue de dos, donc je pense qu'elle a juste vu mes cheveux rouges. Et elle m'a tapé comme ça sur l'épaule et elle m'a dit Vous êtes Laura? Et je lui dis non. Et puis elle lui dit mais Laura qui? Ben Laura, elle était tellement. Elle était très. Alors très je pense qu'elle parlait de l'odose make-up vu qu'elle a vu que mes cheveux rouges en fait à la base. Ouais, des cheveux longs et rouges. Et la pauvre, elle était tellement intimidée en vrai que ça aurait été moi, je crois qu'elle m'aurait fait mal à l'aise devant quoi. Donc malheureusement, je lui ai dit que non et voilà. C'était un peu cher, voilà. C'était rigolo. Non, bref, sympa. Sur ce, ben voilà, nous on va attendre de prendre notre avion. Se reposer un peu là parce que vous. Rentrer à la maison et puis voilà, c'est la fin de ce week-end. Voilà. Cette fois-ci, le vol n'avait pas de retard, pas de problème, les radars fonctionnaient, pas de brume, tout va bien quoi. Voilà. Donc on est arrivé à l'heure, il fait nuit noire. Et on va rentrer chez nous, se coucher. Donc voilà. On arrête ce vlog ici, on espère qu'il vous aura plu. Et puis à la prochaine fois quand on aura un truc d'intéressant à filmer. Pour un prochain vlog, mais sinon la prochaine vidéo qui arrive, c'est celle justement de ce vlog. Donc à très vite sur la chaîne. Ciao.